Bernie Sandé sous le feu de ses rivaux en ouverture du débat démocrate. Le grand favori des primaires démocrates Bernie Sandé est tombé mardi sous le feu de ses rivaux démocrates qui l'ont assailli sur plusieurs fronts en ouverture d'un débat crucial dans la course pour décrocher l'investiture du parti et défier Donald Trump en novembre. Le milliardaire Michael Bloomberg a ouvert le bal en affirmant que le président russe Vladimir Poutine est des Bernie Sandé. Vladimir Poutine pense que Donald Trump devrait être président des États-Unis, et c'est pour cela que la Russie vous aide à être élu, pour que vous perdiez, ensuite, NDLR. Contre lui, a lancé l'ancien maire de New York à Bernie Sandé. Il faisait référence à une information du Washington Post qui avait assuré, la semaine dernière, que le sénateur indépendant était la cible d'interférence de Moscou en sa faveur. À l'époque comme mardi soir, Bernie Sanders a réagi en mettant en garde M. Poutine contre une nouvelle tentative d'influencer l'élection américaine. L'ancien vice-président Joe Biden a pris le relais en critiquant Bernie Sanders pour ses positions passées sur les armes à feu lors de votes controversés à la Chambre des représentants puis au Sénat. Comme lui, plusieurs candidats modérés ont également attaqué le socialiste autoproclamé sur le financement jugé trop flou de son programme, notamment sa proposition d'une profonde réforme d'une assurance santé universelle. Jouant sa survie dans la course après trois mauvais résultats, la sénatrice progressiste Elisabeth Warren, 70 ans, s'est jetée dans la mêlée sur ce point. Moi j'ai creusé, j'ai travaillé, pour expliquer comment financer son programme, NDLR. Et ensuite l'équipe de Bernie m'est rentrée dedans à cause de ça, a-t-elle accusé. Les progressistes n'ont qu'une chance de remporter cette élection, et nous devons la jouer sur un dirigeant qui saura comment accomplir des choses, a-t-elle lancé. Bernie Sandé a martelé que des sondages le donnaient gagnant face au républicain Donald Trump. Le sénateur, qui ne compte que sur les financements de petits donateurs, a aussi épinglé directement Joe et Bidan et Pete Buttigieg. Les Américains ne veulent pas que les candidats s'empressent d'aller voir des milliardaires pour trouver des financements énormes. À 78 ans, M. Sandé est jusqu'ici le grand vainqueur de ses primaires, après avoir remporté samedi les Nevada, très loin devant tous ses rivaux. Son avance a fait exploser au grand jour la fracture au sein du parti, entre les partisans du sénateur socialiste et les tenants d'un discours plus au centre, censé pouvoir rassembler plus d'électeurs, pour battre Donald Trump le 3 novembre. Quatre jours avant un vote crucial des primaires démocrates en Caroline du Sud, plusieurs candidats jouent dans ce débat, leur dernière chance de rester en lice. Car le résultat en Caroline du Sud influencera de manière décisive l'élan des candidats juste avant le Super Tuesday, lorsque 14 États voteront le 3 mars. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.